My husband saw this on Saturday morning. He was very surprised, checked the apple trees, and he said, I lose 140 apple trees. Une assurance qui couvre les pommiers, parce que l'assurance habitation couvre seulement les arbres de maison, des érables, des bouleaux. La financière agricole, bien, ça prend un bon pourcentage pour pouvoir être payé. Fait qu'on va subir la perte qui va être environ 5-6 000. Il faut racheter des pommiers puis recommencer. Oh. Et parce que le monsieur, il voulait le voler, là, puis il l'a tout brisé. Puis, le grand-papa, il l'a replanté, mais il est tout mort. C'est ça que ça donne. Écoute, on ne sait pas. C'est sûr qu'ils sont venus avec des pelles, parce qu'on voit les traces de pelles. Est-ce qu'il était plusieurs? On n'a aucune idée. C'est sûr que s'il était deux hommes, ça a pris au moins 2 heures avant qu'ils puissent de tout déterrer les pommiers, parce qu'ils sont quand même assez bien enracinés. I'm sure it's not a grower because he know the apple trees will die.